Bienvenue sur le site de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tout sera sur le blog ou pas, ça dépendra. Donc, ce vidéoprojecteur m'a été prêté par mon beau-frère. Et l'intérêt, c'est que c'est un vidéoprojecteur avec une définition de 480 par 800. Donc, c'est ce que j'ai déduit parce que c'est écrit nulle part. Il offre 3600 lumens. Donc, normalement, dans une salle pas trop éclairée, ça passe. Et il est petit et transportable. Donc on va l'ouvrir tout de suite. C'est du no-name, hein. C'est-à-dire que ce vidéoprojecteur, vous pouvez le retrouver sous différentes marques. Ici, c'est la marque DRQ Dr. Q et c'est le modèle L8. On trouve à l'intérieur un petit peu de pub pour vous dire qu'il y a une saccage de transport et qu'on peut le mettre sur un trépied, tout ce qui est de plus normal, ce qui est pas mal. Un manuel qui est en plusieurs langues, dont le français. La carte de garantie qu'il faut normalement envoyer tout de suite, comme ça vous avez droit à une extension de garantie. Et ici, vous avez le manuel rapide d'utilisation. Ce genre de vidéoprojecteur, ce n'est pas le premier que je vous teste, mais c'est le premier que je vous teste dans cette définition. On trouve souvent la même chose. Donc, il y a un package tout simple qui permet de bien protéger, ça protège bien. Donc, on a une télécommande. Un petit cordon d'alimentation, un cordon HDMI, un cordon AV, ça s'appelle comme ça. Alors les piles ne sont pas fournies, c'est moi qui les ai ajoutées. Donc un petit tour du propriétaire, vous voyez qu'il est assez compact. Je vais vous le mettre par rapport à la pile, par rapport à ma main déjà, vous voyez. Voilà, ça c'est une petite pile de télécommande. Et la télécommande est quasi aussi longue que le vidéoprojecteur. Donc en face, avant, nous avons c'est l'infrarouge. Alors la particularité, on le verra lors des tests, vous pouvez pointer un peu partout, ça fonctionne. Donc une grosse optique protégée par ce petit cordon. Alors je ne sais pas où est passé, mais normalement il y a un petit cordon qui le tient. Alors vous voyez dessous, vous pouvez le mettre sur un trépied de photo puisque c'est le même pas de vis. Ici, vous avez le petit pied pour faire monter. Ici, vous avez deux molettes, la correction, la netteté. Et ici, le trapèze horizontal. Ici, vous avez un petit panneau de commande, ce qui vous évite de toucher à la télécommande. Et la connectique est ma foi assez complète puisqu'on trouve donc une sortie casque, une sortie audio vidéo avec une carte SD, un port HDMI, un port USB et un port VGA. Donc on trouve aussi donc des aérations, un petit haut-parleur ici, l'alimentation, et ici c'est une prise d'aération ou haut-parleur, je ne me souviens plus. Il y a à l'intérieur un décodeur. Alors il ne faut pas se leurrer, vous n'aurez pas tous les codecs de la planète, notamment les derniers qui sont sous licence. Donc le 265, vous aurez le X265 à la limite. Donc le conseil qu'on donne toujours avec ce genre de vidéoprojecteur, vous ajoutez une petite montre, vous le branchez à un PC, vous le branchez à un téléphone. Alors ça, si vous avez un cordon HDMI pour téléphone, ça. Donc le but, c'est quand même de le tester et de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, je vais vous le dire tout de suite, il fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi ils font un truc aussi petit qui fait autant de bruit. Donc j'ai posé le vidéoprojecteur sur une table, comme on pourrait le faire lors d'une présentation. Donc je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il est extrêmement bruyant. Autre petit problème, normalement on peut corriger le trapèze. Alors, pour avoir une image bien nette, mais regardez ce qui se passe. Je ne peux plus faire la netteté. Donc avec la télécommande, on peut naviguer dans les différents menus, settings, cinéma, etc. On va essayer cinéma, j'ai mis une carte SD avec des films. Bon, il n'a pas l'air de se passer grand chose. On est en condition, il fait un peu jour. Voilà,
Donc on voit que ça passe quand même assez bien lorsqu'il fait jour. Sélectionner la source, on va essayer de prendre la carte SD, donc en anglais c'est TF. Et normalement il y a 4 vidéos. Voilà, on a Cars 2 par exemple, Cars ou Plane. On va voir s'il arrive à les passer. Donc ils sont encodés normalement pour le petit vidéoprojecteur, donc c'est du mauvais encodage. Là, la source est à 1280 par 800 et normalement je suis en 100% frame. Donc on va en profiter pour naviguer dans les menus. Donc l'aspect ratio, l'image, on a des pré-réglages. Donc on les voit activés. On peut évidemment régler les couleurs comme on veut, ce qui est déjà super bien pour ce genre de le petit appareil. La température des couleurs. Voilà, on voit vraiment la différence et on peut régler comme on veut. Donc il y a de nombreux réglages et ça c'est vachement, c'est drôlement bien. Alors ce noise, la réduction de bruit, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Parce que j'ai beau changer, je vois strictement rien. Donc on va la laisser par défaut. Alors ça peut être intéressant si vous voulez réduire la taille de l'écran. Alors en fait ça réduit la taille de l'affichage mais pas du menu. Donc le menu va rester en place. Et vous voyez la réduction, ça c'est extrêmement gênant. Je vois pas l'intérêt, pourquoi ils réduisent la taille de l'image mais pas la taille du menu. Donc quand vous avez un écran qui est un peu petit, ben, vous n'avez plus le menu parce qu'il part à droite à gauche, donc c'est un peu bizarre, voyez, voilà la différence. 100% réduction d'image, ça réduit l'image, pas la taille des menus. Ça c'est vraiment un truc très bizarre et ça fait pareil sur un autre vidéoprojecteur que j'ai contesté un peu plus tard. Donc il y a les options, réglage usine, la langue, la France. La rotation, c'est si vous voulez le mettre en haut, par exemple. Donc ça, ça peut être toujours pratique si vous voulez le mettre en fixe. Le son, vous pouvez changer le son. Alors ça, c'est les options pour essentiellement si vous sortez par la prise jack. Parce qu'il n'y a pas d'autre prise que la jack ou le HDMI. Si vous voulez un arrêt parce que vous vous endormez devant l'écran. Donc ce qui est très rigolo avec ce vidéo proche, c'est le son. C'est-à-dire que le mini haut-parleur arrive à complètement couvrir le ventilateur. Donc à 75% c'est très difficile de lire un fichier Excel, à 100% ben c'est difficile aussi, vous voyez, c'est réalisé sans trucage, vous voyez qu'on n'arrive pas bien à lire. Thank you.
Voilà pour vous montrer la différence. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est l'arrêt de ces machines, c'est quasi immédiat. Vous voyez, immédiatement arrêté. Il est temps de conclure sur ce vidéoprojecteur. Donc, il est pas mal pour 50 euros, franchement. Le rapport qualité-prix est honnête. C'est pas le vidéoprojecteur de l'année, mais on peut faire des choses. Par exemple, je vous ai pas montré, on peut avoir un écran beaucoup plus grand, avec une diagonale de plus de 2 mètres, dans des conditions de salle assez sombres. Donc ça permet de regarder un match de foot avec les copains. C'est sûr, vous ne montrerez pas des fichiers Excel, mais vous pouvez toujours zoomer, on peut arriver à quelque chose, parce que celui que j'ai, un petit problème de focale et de mise au point. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, il fait beaucoup de bruit, à la longue, c'est vraiment assez pénible, le bruit que peut faire ce vidéoprojecteur. Et c'est bien dommage, parce que vous changez le ventilateur, et je pense qu'on a une solution assez complète, puisqu'il est plutôt autonome, vous encodez vos vidéos en MP4 avec les codecs qui vont bien, et vous pouvez passer vos vidéos. L'image de 480 par 800, c'est quand même pas mal. Bon, c'est toujours mieux que 240 par 320, hein. Mais c'est... Voilà, donc c'est une solution acceptable pour le prix. Malheureusement, celui-ci n'est plus en vente. Vous pouvez trouver son équivalent dans les mêmes eaux. Vraiment, pour 50 euros. Je ne le recommanderai pas à cause du bruit, mais c'est quand même une solution sympathique qui s'étudie si vous avez besoin d'un vidéoprojecteur transportable pour l'amener à la campagne, pour prendre vos films avec vous sans vous casser la tête. C'est acceptable. C'est pas du grand cinéma, mais c'est acceptable pour passer un moment assez sympa. Vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Vous n'avez pas aimé, ben laissez un like quand même. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.